En direct du Château Frontenac à Québec et de l'hôtel consulaire à Saint-Malo, c'est la cérémonie officielle du dévoilement du timbre qui commémore la venue du découvreur Jacques Cartier au Canada. L'émission de ce timbre est faite conjointement par la France et le Canada. C'est un événement philatélique. Le timbre a été créé par l'imagier Yves Paquin de Montréal, gravé par l'artiste français Claude Allais et imprimé à 34 millions de copies pour les deux pays sur les presses de l'imprimerie française à Périgueux. Au cours de cette émission spéciale, nous entendrons le ministre des Postes de France, M. Louis Mexando, et le ministre responsable de la Société canadienne des Postes, M. André Ouellette. Je vous rappelle que c'est un 20 avril, en 1534, que le navigateur Jacques Cartier quittait le port de Saint-Malo avec deux goélettes et 61 hommes d'équipage. Le timbre en quatre couleurs dévoilé aujourd'hui souligne ce 450e anniversaire. Retournons tout de suite au pays de nos ancêtres, retrouver Jean-François Duchesne. Vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, Christian Suzor. Bonjour. Bonjour. Je voudrais tout d'abord saluer tous nos amis canadiens qui sont en direct, je le sais, sur vos antennes. Et vous présenter les ministres responsables qui sont à mes côtés ce soir, ici en France. Tout d'abord, Monsieur le ministre Lalonde, ministre des Finances du Canada, et notre ministre des PTT, Louis Mexando, qui vous parlera tout à l'heure. Avant ce discours, un film vous sera présenté. C'est un film sur Saint-Malo, ville tournée vers l'océan. Vous le savez très bien et vous venez de le rappeler, Christiane. Vers l'aventure maritime également. Son fils, Jacques Cartier, a vécu cette grande aventure de découverte du Canada. 450 ans de souvenirs, fêtés aujourd'hui par un timbre émis en commun et par l'envoi de souvenirs philatéliques embarqués à bord de la goélette Jacques Cartier, qui, avec bien d'autres navires, a quitté dimanche dernier le port de Saint-Malo. Voilà ce que je voulais vous rappeler avant le départ de ce film sur Saint-Malo. Je connais une ville fatiguée de n'être que de pierre. Une ville où les clochers sont des mâts, où les murs voudraient se gonfler sous le vent. Je connais une ville dont l'étrave est déjà dans la mer, et dans ses rues résonne le cliquetis des haubans. Saint-Malo, vaisseau de pierre. Dans tes cales, l'histoire de la Bretagne, de la France, du Canada, comme un trésor préservé pour d'autres générations. Dans tes soutes, pourtant, une légère odeur âcre d'amertume. Celle de n'avoir pu briser tes chaînes de pierre et de terre pour partir toi-même découvrir d'autres mondes. Saint-Malo, tu voulais être navire, tu voulais être marin. Mais ce sont tes fils qui sont partis. Les flancs dans l'eau, tu as mis à la mer comme on met au monde. Comme une mère de marin, comme une femme de marin, tu continues à attendre ceux qui ne reviendront plus. Parmi tes enfants, certains ont trouvé d'autres rivages, de l'autre côté de l'océan. Une route vers les Indes, ramener des vaisseaux gorgés d'or. Cartier en ramena bien de l'or. C'était du mica. Et la route des Indes n'était peut-être pas la bonne. Un François Ier bien déçu. Une France en guerre qui avait besoin de lourdes pépites, de grosses pierreries. En face, ton Jacques, têtu comme ne l'a jamais été un Breton. Tenace comme ne le sera peut-être jamais un Canadien. Et qui sait qu'il a véritablement découvert un trésor? La fontaine n'est pas encore née, mais Cartier ressemble déjà à ce riche laboureur sentant sa mort prochaine qui fait venir ses enfants, leur parle sans témoin. Gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Le père mort, les fils s'en retournent le champ, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur confier avant sa mort que le travail est un trésor. Un beau navire chargé de blé, roulez, roulez, jeunes gens, roulez.
J'ai mis l'oiseau dans la cage, mais l'oiseau s'est envolé. J'ai mis l'oiseau dans la cage, mais l'oiseau s'est envolé. Trois dames s'en vont, les marchands déroulent, les jeunes gens roulés. Trois dames s'en vont, les marchands déroulent, les jeunes gens roulés. Malouine, tu t'en doutais. Tu savais bien qu'après des jours, des mois de mer, ce ne serait pas l'odeur de l'or ou de l'argent qui le ferait courir sur le gaillard d'avant du bout de l'horizon. La brise de terre qui l'accueillait, c'était le bruissement des blés que personne n'avait encore semé. Et ce murmure soyeux dans les écoutes, c'était déjà le rire de ses filles. Un monde était né. Le sien, un nouveau monde. Qu'importe, un monde. 450 ans, ce n'est pas un compte-rond. Mais faut-il attendre les noces d'or pour fêter dès aujourd'hui nos noces de bois et de sel, nos noces d'écume et de pierre? Comme c'est petit une mer, comme c'est grand. Les jeunes gens roulaient. Le capitaine s'est écrié, roulez, jeunes gens roulaient. Larguez devant, larguez derrière, roulez, roulez, jeunes gens roulaient. J'ai mis l'oiseau dans la cage, mais l'oiseau s'est envolé. J'ai mis l'oiseau dans la cage, mais...